You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? From the top, and I'm hating the slack. Couple miles slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bon allez, on va continuer notre partie. Là où on s'était arrêté, on était en plein, c'était en plein Playcon. Donc on va continuer. On a des conférences à faire. Il faut qu'on essaye de gagner les jeux, voire les consoles si on peut. Et puis bah voilà, c'est parti. Moi il a un hamburger. Moi il a encore un autre hamburger. Moi il a... Oh! Il a gagné une console. Moi, il savait pas ça. Stockage. Bon, on va la mettre. Bon, bah, du coup, je l'ai gagnée. C'est génial. Je suis très contente. Je l'ai pas payée. Heureux, bonsoir, Sabaranel. Qu'est-ce que il fallait que moi y fasse? Bah ça on s'en fout. Là ce qui compte c'est d'aller à la Playcon. Ouais bah voilà hein, ça va être ça. Et
nouveau jeu qui est sorti. Ok. Bon, allez, c'est parti. Oui, t'as vu ? J'arrive et moi, il reçoit un cadeau. C'est le Noël en avance. Alors, la conférence. Bah, en fait, là, c'est la PlayCon et en gros, je dois faire des vidéos et... Enfin, participer à la conférence, faire des vidéos et du coup, c'est comme ça que je peux gagner. Donc là, j'ai déjà gagné le jeu et la console. Donc, et je suis très contente. Cassez-vous ! Oui, mais merci, Sabaranel. Merci, merci. Oui. Oh, pardon. J'ai le coup de barre. Allez. Influenceuse Zaza. Oui. Doublement influenceuse en plus. Bienvenue à la conférence de Olney. Bah si, j'ai mangé, il était 19h. Non, là, c'est vraiment la fatigue de la journée et bah, de minuit où j'ai un petit peu de mal, en fait, à dormir. Oui, moi, je m'en fous de ce que tu dis, connasse. Moi, je veux juste le jeu. Bah alors, si on voit un peu ma tête. Ouais, on voit un peu ma tête, c'est pas grave. S'en fout, il y a le mot conférence dessus. Vous devez enregistrer une vidéo du jeu ici. Publiez-la chez vous et revenez nous voir. Nous enverrons le jeu exclusivement chez vous. Ok ? Où est-ce que je vais enregistrer ? J'ai rien pour enregistrer. Faut peut-être que je parle à la grognasse. La meuf qui parle, on dirait Dora. C'est possible, je sais pas. J'ai même pas capté. Alors, ah, c'est là que je dois le faire. Ok. Je salue la chaîne avec plein d'énergie. Vous entrez en mode bataille royale et vous lancez une bombe fumigène. Ok, 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 ok. Ouais, celle pendant la conférence. Ouais. Je vois très bien, monsieur. Hop. Donc, du coup, je repars chez moi. Bouge! Hop. Voilà, je repars chez moi, je fais la vidéo, je retourne ici et après je pourrais peut-être re-rentrer chez moi, voir si j'ai le temps de faire autre chose que ça. Donc là du coup, c'est pour le jeu Honey. Donc là j'ai gagné déjà un jeu vidéo et une console. Ouais, je suis très contente. Allez, on édite tout ça. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai 4... Il me reste 4 points. 4 points. 144 ici, meilleur. Ah, ici, 148. Voilà.
En fait, sur la droite ici, là, en mode édition, il faut avoir le plus de points possible. Et là, 150. Donc, du coup, on fait ici. Ah ! Je crois que mon ordinateur, il est cassé. Oui, il est cassé, mon ordinateur. Il y a de la fumée. Oh, Nonotos. Même quand t'es pas là, tu veux que j'achète des trucs. Vous devrez changer ce composant, le mettre à niveau. Tac, tac. D'accord, donc voilà. Plus j'ai des composants récents, mieux mes vidéos seront meilleures. Hein, ce qui est logique, hein, même dans la vraie vie, c'est ça. Donc tu peux l'acheter au magasin. Changer la pièce endommagée. Mettre à niveau. Et c'est quoi? C'est le disque dur. Et là, j'ai quoi comme disque dur? Oui, il est tout cassé. J'ai quoi comme disque dur? Disque dur de 150 go machin, là. Est-ce que je peux le prendre là? Normalement, oui. Mais là, il me demande d'aller au magasin. Bon, je vais aller au magasin. J'espère... Ah, peut-être qu'il va fermer le magasin. Le magasin, il est là. Et sur ma droite. Miaou. Ouais, sans disque dur, c'est très compliqué. Poussez-vous, je veux acheter mon disque dur. Donc j'avais celui-là. Et du coup, comme on est une ouf, on va juste prendre le supérieur. On va juste parler à la vieille folle. Et en plus, elle me parle mal. Lui, il sera mon mec plus tard. Je vous le dis. Moi, il me suis dépêché très vite. Voilà, il a une quête à me donner. Alors, je sais que nous ne connaissions pas très bien, mais je me suis arrangée pour récupérer une clé USB au quai entre 18h et 22h. Nanana, est-ce que tu peux aller à ma place hein? Bah oui, je vais y aller. Hein. Ok, donc là, je vais rentrer dans ma maison. Ah, avant de rentrer dans ma maison... je vais retourner à la Playcon voir si c'est toujours ouvert et leur parler comme ça. Parce que vu que j'ai fait la vidéo... Ouais, la quête c'est entre 18h et 22h. Je vais y aller. Mais avant je veux là. Moi il veut des jeux gratuits. Normalement c'est bon. C'est bon. J'ai le jeu. Bon allez, c'est parti. Maintenant, je vais aller prendre le métro. Bouge ta sœur, toi. Et voir si je peux faire sa quête à l'autre. On va essayer de trouver sa clé USB, mais il me reste même. Ah non, j'ai même pas le temps. Moins d'une heure, j'ai pas le temps. Non, ouais, il l'a pas tryhard le jeu. Enfin, il ne l'a pas. Donc, c'est réglé. Mais c'est un bon jeu. Après... Oh putain, je crois que je vais pas avoir le temps. Ah, c'est mort. Il est 22h. Je crois que la clé était par là. C'est au niveau du port. Et bah ben voilà, moi il a la clé. En plus, il me semble qu'il est disponible le jeu. Ils l'ont mis là où vous savez tous, là où vous achetez vos jeux. Du coup, c'est intéressant. Puis moi, je l'aime bien ce jeu. Je
Je l'aime beaucoup. Et en fait, ça détend. Ça détend parce que t'as plein de petites quêtes. T'as plein de tout ça. Bah, moi, j'ai reçu un email, Seb. Je l'ai reçu ce matin. Oh, coucou, Grimsia! Ça va? Et puis, j'ai gagné mon jeu. Regarde, j'ai mon jeu gratuit. Tiens, je vais le mettre dedans. Je change ma pièce. Mettre un niveau. Hop, hop. Et ben voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je peux faire autre chose? Bah non, j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Bah allez, on va dormir. On va rendre sa clé. oui, ça va. bon, tant mieux, Grimsia. Moi aussi, je vais bien. Mais très fatiguée, mais sinon, ça va. Bon, bah, je commence petit à petit à me faire des petits abonnés. Des sous aussi. Alors, je vais aller voir Adam. Et merci Galicelle pour ton follow, bienvenue à toi. Oui, moi aussi ça me perturbe Grimsia. Parce que moi, déjà chez moi, putain, je suis obligée de dormir avec couverture, une autre couverture. Enfin bref, tu vois même pas ma tête tellement je suis en dessous le lit quoi. Et là mon personnage en mode what the fuck, je dors dessus. Oh, je vais gagner encore un jeu. Mais c'est très bien. Je suis très contente. Moi, il gagne des jeux. Je vais parler au monsieur. Dis-moi quelque chose sur toi. Il aide sa maman avec sa boutique en ligne. Il a sa propre entreprise, Lead Games. Quel genre de jeu? La plupart sont inspirés des bandes dessinées de mon ami Edgar. C'est un excellent écrivain. Ok, ok. Est-ce que t'aimes les hamburgers? Oui. Et ben voilà. Du coup, moi, il a fait deux cœurs. Ouais, ouais, ouais. Et ben ouais, hein. De nouveau, merci pour le follow. Et puis, coucou, Foifoua. Ce petit Foifoua. Là-bas. Attends, je vais prendre ma trottinette. Nyaon. On va retourner là-bas. C'est le moment d'en profiter. Ouais, ils vont tous être obèses. Mais tout le monde aime les hamburgers. Oui, je veux assister à la conférence. De toute façon, il dit la même phrase depuis 3 jours. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis pas renseignée pour la... Oh, oh putain, c'est pour gagner la console. Moi, il la veut. Oui, voilà. De rien, de rien. Allez, je m'en fous de ce que tu dis. Moi, je veux juste la console. Alors, on va faire la photo. Tac. Hein. Et voilà, elle est contente comme ça.
Et donc, j'espère que vous avez aimé la présentation de notre nouveau jeu, Mantendozy. Vous pouvez faire une vidéo, etc. Oui, y a pas de problème. Faut que je parle à elle aussi pour débloquer le truc. Elle dit la même chose que l'autre mec. Et donc, du coup, là, c'est ici. Allez, c'est parti. Et c'est quoi? Ah, c'est en mode streaming. Ouais, vas-y, là, ta console fait pas ta radine, la pute. C'est pour moi. Ah merde. Faut pas que je fasse de la merde, sinon je perds trop d'énergie. Et si je perds trop d'énergie, et bah du coup, j'aurai pas ma console. Ah bah c'est bon. Voilà, c'est bon, vas-y. Quel buzz, hein. Ouais, trop le buzz. Oui, c'est bon, j'y vais. Et une barbe au papa. Que moi, il va manger tout de suite. Hop. Oui, c'est vrai. Fois, il est en mode vacances. Il est en train de préparer la dinde pour moi le 24. Il y aura pour personne d'autre à part moi la dinde. Avec une bonne farce. C'est toujours bon à prendre, ça, la grosse tendance. Ah bah tiens, j'ai fait un défi du coup. Je t'envoie une copie originale de mon jeu Ghost in the Drone. J'espère qu'il te plaira. Oh merci cousin. Mais moi il a beaucoup de cas. Oui. J'ai gagné le jeu. J'ai gagné la console. Non, c'est pas ça. Comme ça. T'as vu, Fofoa? C'est comme ça qu'il faut faire pour gagner des jeux. Donc du coup, ça va. Ça veut dire que mon streaming, il était pas dégueulasse. Mon PC, il est cassé, mais j'en ai plus. Et en plus, je gagne un jeu. Alors, attends. Je vais mettre tout ça là-dedans. Stockage. Mais bientôt, j'aurai plus de place. Ah ouais, c'est le jeu du moment, ça, en plus. Et là, mon PC, qu'est-ce qu'il a ? Mettre à niveau. Ils nous font chier. Faut que je prenne un processeur. Le magasin est fermé. Donc du coup, je vais le commander. Il y a plein de nouveautés à venir. Affirmatif. Ah putain, il faut que je... En fait, il faudrait que je le stream, ça. Ça me fera plein de sous. Alors, ce que je vais faire, c'est commander à bouffer en même temps. Là, je vais manger un truc. Et du coup, c'était déjà la Nintendo, je sais pas quoi, ouais. C'est une diffusion en direct. Et ben, c'est parti. En plus, avec le jeu du moment, c'est top pour moi. «
Mais comme j'ai mis une nouvelle pièce qui est puissante, et ben les autres pièces commencent à être obsolètes. Et je pense que c'est pour ça que mon PC il est cassé. C'est bon. J'ai cru que j'avais pas réussi, mais si, c'est bon. Et voilà, moi, il a fait des sous. Ouvrir le colis, j'ai encore des colis. Bah, pourquoi il m'envoie mes hamburgers maintenant? Allez. Ouais, il a tout pris. Non, bah de toute façon, je peux pas faire de vidéo. Enfin, si je peux, mais elle sera pas aussi bien. Ça sert à rien. Bah là, du coup ça sert à rien de bouger, j'ai plus d'autres défis là. Ouais, j'ai reçu le colis du jour même. Normalement c'est le lendemain, tu sais. Par contre, ce que je vais recevoir le jour même, le lendemain, ça va être mon processeur. Tu vas voir, moi il va avoir le colis. Job guys et Montazzi. La fête Playcon. Donc là, c'est la fête. On va aller à la fête. Tiens, regarde, c'est ce que je te disais. Tu vois. on va aller le mettre à jour. Mettre à niveau. Hop. Et voilà. C'est bon. Impeccable. Donc, on a vu que c'était la fête. La fête Playcon, etc. Nanana, enregistrement de vidéo surveillance. Est-ce que j'ai des clés USB de ça? Non, j'en ai pas. Ouais, faut que je donne à bouffer à mes potes. Ah bah, c'est possible que ce soit la carte graphique, ouais. Oh non! Mononotos. Oh. Il est cassé, Nono. Bon, faut que j'aille chez le docteur. Oui, il a grillé sous la pluie. Moi, il va d'abord réparer mon Nono, sinon il va être triste. Je vais le réparer. Le magasin, il est là. Moi, il a cassé Nono. Voilà. Donc, faut que j'achète la fonction d'étanchéité. Ouais. La petite pluie qui a niqué mon nono. Fonction d'étanchéité. Et voilà, mon nono, il va être réparé. J'avais pris la nuit aussi. Ouais. Alors ça, on verra plus tard. Hein. Voilà. C'est bon, copain. Elle protège votre drone même sur les pluies acides. Et ouais, salut Gigi Fox. On va prendre une petite photo avec lui. Ah non, on peut pas, c'est vrai.
Oh. Elle, je m'en fous. Je crois qu'on est au même endroit. Ah oui, regardez mon nono, il est là, mon nonotos. Voilà. Alors, je crois que c'est là. Ah, ça ouvre à 20h. Je peux voir que ça ouvrait à 20h. Attends, je me suis trompée de route là. Ah non, c'est là. Vous devez porter des vêtements de cosplay, sinon je vous laisse pas rentrer. Je crois que j'en ai. C'est un vêtement de cosplay, ça. Bon, ça commence à 20h, c'est pas grave, on y reviendra. Mais il faut qu'on y participe parce que c'est le but. C'est la fin de la Playcon, du coup. Donc, ce qui fait que dans la Playcon, j'ai gagné 3 jeux et 2 consoles. Voilà. Ouais, cosplay un peu Star Wars, je crois, ouais. Alors, ce qu'on va faire en attendant, c'est faire la vidéo des jeux du moment. Là, j'ai 2 grosses tendances. Le jeu là, Jump Guys et Mantendozy, donc je vais le faire. Et je crois qu'on a des défis par rapport à ça, mais je suis pas sûre. Non, on n'a pas de défis, donc on s'en fout, c'est pas grave. On va juste faire ça pour augmenter notre tendance. Ouais, ouais, bah c'est énorme, hein. C'est énorme. Ouais, la convention, elle a été rentable. Bon, 4 étoiles, c'est bien. Alors, on va faire ça, 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 pas ça, et ça. Oh, bah ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, 4 étoiles. Mais du coup, tu vois, le rendu est pas bien, mais c'est pas grave. On a fait beaucoup plus de vues que d'habitude. On va bouffer parce qu'on doit aller à la fête. C'est 14h30. Ah bah, j'avais une autre photo à éditer. Une autre photo. Une autre vidéo. Et coucou mon dodo. Ah, 194 ici, 224 là. Donc c'est 224. Voilà. Elle est contente. Coucou mon copain là, copain du schnorr là. Regarde, faut voir, moi il va au chinois. Alors, elle avait un cadeau. Un sorbet aux fruits. Oh, elle a une quête pour moi.
Tiens, prends ça avant. Oh, elle aime pas trop. Vous savez comment montrer votre valeur. Allez peindre des graffitis sur le Gianni. D'accord. Achetez, allez à Guitopia, achetez de la peinture et peignez quelques graffitis près de Gianni. Près de Gianni, mais du magasin Gianni ou près du mec? Oh, mais moi aussi, fais un bisou à mon nono. T'as de la chance, tu l'as au téléphone. Est-ce qu'elle aime la barbe à papa, la connasse? Oui, gros barbe à papa. Elle aime pas la malbouffe. Bon, bah, on sait qu'elle aime pas la malbouffe. Moi, il va acheter des nouilles. Manger. Au revoir. Est-ce que j'ai le temps d'aller à Guitopia? Ah non, ça ferme à 18h. Ouh, j'ai de la chance. Oh, c'est cher. Je vais attendre. Ah, une bombe. Une verte, une bleu ciel. Du citron. Ah, mon sac à dos, il est plein. Bon, bah, c'est pas grave. Faut que je parle à lui aussi. Que je prenne une photo avec lui et que je lui offre un petit quelque chose. Est-ce qu'il veut me parler? Mon pote, j'entends des voix provenant de mon sous-sol. Je pense que quelqu'un me surveille. Il doit s'agir d'espions extraterrestres ou de pirates qui essayent de voler mes idées à $1 million. Un chapeau en aluminium me protégera. Peux-tu m'en trouver un? Il doit avoir un génie en ville qui en cache un sur son lieu de travail. Ok, donc sur son lieu de travail. Donc c'est dans un magasin ou quelque chose comme ça. Il paraît que le docteur machin, on l'utilise souvent lorsqu'il travaille sur le projet. Si vous creusez un peu dans le sens, vous pourriez en obtenir un. Ah ouais, mais du coup... J'ai plein de choses à faire en fait. C'est bientôt la fête, on va y aller. J'espère que je vais pouvoir rentrer avec ça. Bip. Oui, foi, il est en vacances. Il a de la chance. Comme vous êtes élégante, entrez. Ouais. Oh, c'est la fête. Il va falloir que je fasse un stream, du coup. On va faire une petite photo. Avec un tchuss. Comme ça. Et là, qu'est-ce qu'elle me veut? Si vous faites une diffusion en direct à la fête, je vous enverrai un cadeau que seules les personnes clientes peuvent obtenir. Venez le récupérer après votre diffusion en direct. Bon, bah voilà. En gros, de toute façon, j'avais pas le choix de le faire apparemment.
Oh merde. Merde. Ah, c'est bon. Ouf. Il est déguisé en quoi, le gars derrière? Je sais pas. Regarde, elle est déguisée comme moi, la poufiasse. Lui, il est comme ça. Enfin, elle, elle est comme ça. Et lui, il est comme ça. Ils sont presque tous pareils que moi. Ah, elle m'offre des lunettes. Oh, la classe. Ouais. On va prendre une photo avec les lunettes. Pour dire qu'on a réussi le défi. Bon bah voilà, on a fait la soirée, on peut rentrer chez nous. Après, je sais pas si je dois faire le graffiti peindre. Pas ça chez vous. Attends, je me suis mal mise. Oh, vite, faut que je rentre chez moi. Là, on voit bien. Et c'était qui m'avait demandé de graffiti déjà? Ah ouais, c'était... merde, comment elle s'appelle là? La folle, la vieille. Ouais, c'était ça. C'est l'heure de dormir. Ouais, c'est toujours à peu près les mêmes tendances là pour l'instant. Les YouTube Awards se tiendront demain au théâtre. La cérémonie de remise des prix la plus importante pour les YouTubeurs a lieu le dernier jour de chaque saison, avec des prix décernés aux meilleurs YouTubeurs de la ville. Tu ne dois pas la manquer. Ok. Donc, dimanche. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, on y participera. Bon, ça on verra plus tard. La folle, où est-ce qu'elle est? Je sais pas où elle est. Contact.
Elle est où? Elle est à l'AFK. Ok, bah l'AFK c'est là. J'ai pris une photo du graffiti, je sais pas si ça sera suffisant. Ah non, c'est bon. Impeccable. Et du coup, j'ai gagné un beau miroir. Avec une bonne valeur. Comme ça, ça va faire grimper... grimper sandwich. Je crois que c'est le sandwich de la daronne. Je l'ai vu la dernière fois. Oui, on y sera. On va lui donner ça. Non, j'ai pas goûté les Pop Mars. Bref, on s'en fout. De toute façon, on va revenir là demain. Faut continuer à parler avec tous les personnages et tout. Je vais revoir Edgar. Peut-être des choses à me dire. J'ai l'impression qu'on m'observe, meuf, comme si je n'avais plus le contrôle de ma vie. Parfois, j'ai l'impression d'être un personnage de jeu vidéo, je te jure. Tu vas trouver le chapeau en aluminium. Je suis sûre qu'ils sont très populaires auprès des génies de la ville. Chez les génies un peu paranoïaques, bien sûr, comme moi. Tu crois qu'il y en a un dans un laboratoire secret où un génie super fou expérimente sur la vie et la mort ? Comme le mystérieux affaire, nanana. Ok, bah faut aller au AirTech. Est-ce que je vais vraiment... Enfin, est-ce qu'il va me le donner? Ah, Fontaine. Hashtag Fontaine. C'est la tendance aussi, ça. Allez, on va y aller. Tatatat. Faut pas que j'oublie, j'ai encore des vidéos à publier. Sinon, si j'ai pas contenu tous les jours, les abonnés ils vont pas trop être contents. Est-ce qu'il va me parler? Ah voilà, c'est ça, il me connaît pas assez bien. Donc du coup, comme il me connaît pas assez bien, il peut pas m'en dire plus et m'en donner plus. C'est chier. Bah c'est pas grave, on va continuer. Bah là, de toute façon, le but, c'est que tout le monde m'aime. Donc là, je vais aller faire une vidéo. Hop, c'est parti. Désolé, moi, il répondait au texto de mon amoureux à moi. Alors, nini.
est-ce que je fais le mode streaming? C'est peut-être mieux aussi. Oh, ah ouais, ça c'est mieux. Ça a la tendance. Oh, j'ai plein de jeux. Est-ce que j'avais un truc? Ah non, mon nono à moi. À moi, à moi. Eh ben, on va faire celle-là. Voilà. Comme ça, ça me fait 3 oranges. 3 tendances. C'est bon, c'est bon. Ah, voilà. Voilà. Du coup, c'est encore mieux, le streaming. Hop. Ça. Ça, ça, ça. Et ça. Alors, 152, 128. 156 ici. 168. Ok, le troisième est meilleur. Donc on va mettre sur le troisième. Putain ! Mon ordinateur, il est encore cassé ! Il crame le machin. Alors c'est quoi ? C'est la RAM. Sabaranel, tu avais tort. Est-ce qu'il est ouvert encore le magasin? Jusqu'à 20h. Allez, on va acheter la RAM. Ouais, perdu. Putain, si je pouvais faire pareil. Hein. Dès qu'un truc est cassé, me l'acheter automatiquement, ça serait bien. Il y a une tendance verte, on va même faire une petite photo. Voilà. Ouais, la carte graphique approche. Eh ben, on va prendre celle-là. Pas trop haute, parce que sinon, je vais devoir tout changer. Je suis allée déjeuner avec mon ami Edgar cette semaine. Son amour pour la nourriture épicée ne cesse de m'étonner. Personnellement, je préfère la pizza classique habituelle. Alors ok, donc lui il aime la pizza et Edgar il aime la nourriture épicée. Ok, c'est à retenir ça. J'ai de la place? Non, j'ai plus de place. Et Redragnil, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu, c'est YouTuber Life et c'est un jeu de simulation de vie. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui se passe dans la vie professionnelle de YouTuber, du début à la fin, en gros, tu vas le voir à travers ce jeu. Là, on va parler à la tchouin. Elle est toujours pas résolue, ma panne de courant. Oh, nom de Dieu, quoi. Tiens, prends ça. Merci, je pense. Bah, pense très bien. Et du coup, t'as pas autre chose à me dire? Hier, j'ai passé toute la journée à troller la youtubeuse Dixie. Elle pense qu'elle est la reine des enchères et elle est collante. Ok, si tu le dis, poupée. On va changer notre âme. Voilà, elle est là. Impeccable. On va mettre les USB là-dedans. Et je vais mettre mon miroir. Puisque ça va faire up mon comment dire
Oh merde, je sais plus. Ça va être marqué. De toute façon, il va falloir que je dorme bientôt. J'avais pas une autre photo à éditer, une autre vidéo à éditer. Ah si, j'en ai une. Ah oui, c'est celle-là. Je l'avais pas fini. Celle-là, c'est la seule qui n'était pas raccordée. Ah ouais, il attend son PL. Comme d'habitude, fais ton légendaire déjà, trou du cul. Faut lui faire les tourments pour qu'il ait ses putains de scoridames, pour qu'il ait son putain de légendaire celui-là. Ouais, je crois qu'elle est très fatiguée. Ah voilà, c'est la valeur de la maison. Putain, je trouvais plus le mot, alors c'était pas très compliqué. Oh putain, après la clé. Interview, YouTube cérémonie. Ah oui, c'est ça, faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Bah, c'est parti. On va aller là-bas. Monde rétro. Ah ouais, aussi. Il faut que je fasse une photo. Ok. Ok. Bon, bah, allez. Et puis le jeu, Turtle machin, il attendra. Ah ouais, donc ça ici, monde rétro. Hop, on fait la petite photo. Oui, plus de 100 000 gemmes. Allez. C'est ici. Ah, ça ouvre à 15h. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ouvre à 15h. Altea. C'est un restaurant. Oh, il est triste à Wessom. Un sweet machin. Alors ça, c'est pour donner à la vieille Bic. Il me semble qu'elle aime bien. Et riz au petit pois. On va prendre ça. Parce qu'il y en a un, ils sont compliqués pour la bouffe. Oui, je suis nouvelle. Ah, je peux pas encore prendre des photos. Putain. Faut vraiment que j'active l'option. Merci mon dada. Bonne nuit, des gros bisous. C'est pas ça. Il me reste... Voilà. Et le reste, faut que je garde. Faut que je garde de la place. Il faut que j'achète un sac. Faut que j'achète un sac plus grand pour mettre plus de trucs. Je vais grave en avoir besoin. C'était 15h le truc. 15h. Il y avait quoi comme tendance? Interview, foire itinérante. Peut-être faire une interview à la foire itinérante. Ah bah non, je peux pas, j'ai pas le truc. J'ai pas le truc, donc ça sert à rien. Et gros bisous mon dada. Bah non, j'ai que ça. L'AFK, ça ouvre à 15h, donc ça sert à rien parce que c'est le en même temps que ça là, leur truc.
Tiens, je vais parler à elle. Je balaye tous les matins et la saleté continue de s'accumuler. Pauvre petite chérie. Oh, je crois qu'elle, elle aime bien les barbes à papa, je suis pas sûre. J'en ai ou pas? Non, j'en ai pas. Putain, je vais aller au cinéma lui en acheter un. Ou je vais aller lui donner. Tiens, prends ça. Oui, c'est pour toi. Et ouais, elle aime bien. Comme c'est délicieux, merci chérie. Et ouais, cousine. 15h. Bah, je vais attendre ici. Comme ça, dès qu'il est 15h, je peux rentrer. Parce que là, mon but, c'est vraiment d'y participer. Mais faut pas trop que j'avance trop dans les quêtes, vers les quêtes principales. Faut vraiment que je fasse beaucoup de quêtes secondaires et les relations amicales aussi, c'est hyper important. Ah, ça y est, c'est ouvert. Voilà. Bienvenue au gala des YouTube Awards. Où nous annoncerons les meilleurs YouTubeurs de YouTube de cette saison. Voici sur scène les meilleurs youtubeurs de cette saison. Félicitations à tous. Lucie, Joy, Iron, Rico et Zane, je crois. Et le meilleur youtubeur de cette saison, le numéro 1 parmi tous les youtubeurs, est Iron Action. Yeah, c'est lui. Ah, il a gagné le drone en or. Il est trop beau. Il est trop beau ce drone. Je veux, moi. C'est tout, nous vous remercions de votre participation et vous donnons rendez-vous à l'édition de la saison prochaine. Et là, mon perso, il en kiffe. J'aimerais bien être à sa place. Qui sait si nous aurons de nouveaux youtubeurs sur la scène? Oui, moi. Eh bien, nous le saurons bien assez tôt. Continuez sur cette lancée, tout le monde, et au revoir. Ouais, ouais, ouais. Petite photo du YouTube. Voilà, voilà. Beaucoup de gemmes. Impeccable. Et on peut rentrer à la casa. Tu veux me parler, mon lapin? Mon amie Tina a un nouveau chagrin d'amour. Je lui prendrai une barbe à papa pour lui montrer, pour lui remonter le moral. Tina, ok. Toi, t'aimes l'hamburger, toi? Un de mes plats préférés, merci. Ah, cool. Tu es un manager, n'est-ce pas? Il est important d'avoir quelqu'un qui t'aide si tu veux réussir en tant que youtubeuse. Mon amie Tina m'a aidé à lancer beaucoup sur les mots-clés, le marketing et ce genre de choses. Bah ok, bah le mien aussi. Hein. Ah, on va parler à elle, Lucie.
On lui a pas parlé. Vraiment ? Non, mais t'es sérieuse ? Elle me parle comme une poufiasse, elle. On va se calmer. Hein. Elle va se calmer. On va lui donner des riz petits pois. Elle a la gueule à bouffer des riz petits pois, elle. C'est pour moi ? Oui. Merci Zadatos. Les aliments biologiques sont les plus savoureux. Eh ben ouais, elle aime ça la cochonne. Et en plus, elle me donne une quête. Tu sais, j'ai dû dire à ma mère que je travaille au jardin du Montibi. Je n'aime pas lui mentir. C'est juste qu'elle n'a jamais compris ma passion pour la mode. Mais elle est tombée sur ma chaîne YouTube où je passe la journée à parler de la marque de Gianni. Et maintenant, elle a le sentiment que je ne traite pas les vaches pour vivre. J'ai eu ce beurrier en bois au Montibi. Si je le poste à ma mère comme un souvenir de la ferme, peut-être qu'elle arrêtera de creuser. Mais je n'ai pas le temps d'aller à l'hôtel de ville. Tu penses que tu pourrais le faire pour moi ? Bah, je crois que j'ai pas le choix. D'accord, faut que... Non. Et donnez-le à la mère pour l'envoyer par la poste. Ok, une fois que c'est fait, bah du coup, je vais pouvoir... Tiens, salut mon copain. Je vais pouvoir lui reparler. Oh, il y avait un autre mec. Oh bah tant pis, il n'y a pas le temps. Là, c'est l'heure d'aller dormir. Il faut que je pose ça. Ah oui, ça aussi, je dois le mettre. Attends, faut que je le mette ça. Je vais le mettre par là. Hop, voilà. Ça augmentera la valeur de la maison. Surtout ça, c'est important. Je sais même plus si j'avais fait des vidéos et tout. C'est l'été! Dring, dring. Salut les Azatos, j'ai l'impression que ton appartement commence à devenir un peu trop petit pour toi. Ben ouais, je manque de place. Tu dois donc améliorer ton appartement. De cette façon, tu peux ajouter un nouveau studio de montage ou de son pour améliorer tes vidéos. Ou un studio pour enregistrer des vidéos de déballage. Pour ce faire, tu dois te rendre à l'hôtel de ville pour parler à l'assistante de la mère. Il te dira si tu as assez d'argent ou non. Ok. Et eh bah ben c'est cool. Et en plus j'ai une nouvelle carte. Elle est où? Elle est là. Bon là il y a le nouveau jeu. Près du quartier du centre-ville. Personne énervante. D'accord. Et eh ben on y va. Hein. On y va. Bah de toute façon faut que j'aille à l'hôtel de ville. Donc du coup ça tombe bien. Ah oui, attends, je dois jouer quoi là? Il y a des trucs à jouer là. Job guys. Une diffusion en direct de ça. Eh ben je vais faire ça. Et c'est ça, ouais c'est ça. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Et du coup, j'ai gagné des sous. Je vais la mettre en ligne. 144, 120. Ensuite 144, 120, 132. 144 aussi. On va mettre celle-là.
Faut que j'aille à l'hôtel de ville. C'est parti. Ah ! Moi, il me suis payé un pot de fleurs. Et en plus, il faut que j'aille agrandir ma baraque. Je vais faire ça. Quelle procédure voulez-vous faire? Un permis de construire pour ma maison. Comme ça, bah, j'aurai un nouveau salon spacieux et un peu moins étouffant. Allez, c'est parti. Excellent, nous allons commencer tout de suite l'extension de votre maison. Impeccable. Et il fallait que je lui parle à elle. Le beurrier. Faut qu'elle l'envoie par la poste, absolument. Est-ce que le beurrier en bois revient à la mode? Je savais que le mode était cyclique, mais tout de même. Eh ben écoute, tu vas quand même le faire! On a reçu des plaintes de certains magasins de la ville à propos de coupures d'électricité. Nous essayons d'y remédier. Ok. Est-ce que t'aimes les nouilles chinoises? Merci, c'est toujours agréable de recevoir des cadeaux des électeurs. Avec une petite photo. Oh merde, c'est vrai, je peux pas. C'est pas grave. Bah c'est parti. On va parler au mec. Tu sais, c'est probablement mon imagination, mais je pense pas que Gianni m'apprécie beaucoup. Oui, il te déteste, Ouna. Ou n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. On va mettre ça, on va être gentil. Il se passe quoi là? Mon jeu a bugué? Oh putain, il a bugué! Pourquoi mon jeu il bug comme ça? Ça bug jamais comme ça d'habitude. Ah ouais, il a grave bugué, tu sais. Oh putain, je suis obligée de couper. Je suis désolée, je suis obligée de couper. Attends. Ouais, non, il a bugué. Putain! J'ai perdu toute ma progression. Ouais. Ah non, mais là, ça a carrément coupé, putain. Gestionnaire des tâches. D'accord. YouTuber live 2. C'est bon. Il voulait pas se lancer.
est-ce que j'en suis? Ouais, ah, ça va. Du coup, ça va. Donc là, il fallait que j'édite la vidéo. Ah bah non, je l'ai faite. Qu'est-ce qui me manquait alors? Qu'est-ce que j'avais fait au début? J'avais fait une vidéo, je crois. Nanana, l'hôtel de ville, je vais y aller de toute façon, t'inquiète. Ah voilà, c'était ça. Une vidéo de ça. Donc on avait fait la vidéo et après il fallait aller à l'hôtel des villes. Donc c'était le streaming, je crois. Ok, impeccable. Voilà, donc on a gagné nos sous. On les a re-regagnés. Et là, alors, il fallait trouver 218-232. Ah, c'est cool. 232 sur le premier. Et 232 à la fin. Ok. Bah on va mettre sur le premier. Ouais, j'avoue, c'est eux qui m'ont bloqué. C'est chiant parce que du coup faut tout refaire là, ce que je viens de faire. On va aller à l'hôtel des villes. Puis ça me fait chier parce que je vais pas tarder à aller me coucher. Hop. Dorian, c'est rare de le voir lui. Qu'espériez-vous? Un discours de bienvenue? Eh mais tu vas te calmer. Et c'est hyper... Ah oui, on est lundi, on le voit tous les lundis matin. Ouais, ils veulent pas que j'aille au podium. Attends, 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 je vais te donner un cadeau. Attends, tiens ça, tu bouffes ça? Voilà. Vous avez besoin de vous reposer? Eh bien, moi, pas. J'ai une source d'énergie inépuisable grâce aux bavards comme vous. Ah, oh bah, merci. Alors, je vais essayer de lui reparler. Non, pas la trottinette. On en a déjà parlé avec Nono. C'est trop dangereux. Ouais, il est bizarre. Lui, c'est un riche. Enfin, la gueule, ça, il se prend pour un riche. Non, la trottinette, c'est trop dangereux. Moi, j'aime pas ça. Mais je préfère aller dans mon bus où j'ai du chauffage. Je crée mes vêtements avec des fils d'or et d'argent et je dois dire en toute humilité que je suis le meilleur créateur de monde au monde. Le meilleur créateur de mode au monde. Les vêtements Nice Enrico s'avèrent incroyables. Même Gianni lui-même viendra me féliciter. Eh ben si tu le dis mon pote. Alors, on va acheter.
le permis de construire. Voilà, c'est bon. Tac, 10 000 pièces. Excellent. Hop. Et du coup, faut qu'on aille donner le beurrier. Ouais, grave, faux foi. Bon, on va pas répéter tout ce qu'on a lu tout à l'heure. On va faire une photo. Ah bah non, on peut pas faire de photo. Là, là, non, quelle coupure. Elle va nous parler les problèmes d'électricité qu'il y a encore dans la ville. Bah du coup, vu que j'ai donné boisson, on va lui donner les nouilles chinoises. Est-ce que tu aimes ça? Merci, c'est toujours agréable de recevoir des cadeaux des électeurs. Bah ouais, tu m'étonnes. Si les voix vont pour toi. Il y a une clé USB là, je l'ai vue. Je vais la prendre et je vais la stocker. Non, tu parles pas? Non, il parle pas. Bon, bah voilà. Zaza Uber Eats. Ouais, mais c'est vrai en plus. Trottinette. Trottinette. Et je ne sais plus. Et bah je vais rentrer dans ma maison. Non, je vais acheter à manger et rentrer dans ma maison. Edgar, il a dit qu'il aimait bien le truc épicé. Donc, on va lui prendre. Hop. On va acheter plein de trucs. Oui, on va dire que c'est un gars sapin. Ouais, elle est méchante hein, quand même. Elle est très méchante. Hein. Tu manges des hamburgers? Elle aime pas la malbouffe. En plus, elle est chiante. On va faire quand même une photo. Non. Alors, le poulet épicé. Eh ben, on va donner ça pour l'hôte. Un plat de riz épicé, un wok à emporter, du nigiri et des nouilles croustillantes deux fois. Ah bah j'ai plus de place. Ouais. Je vois que l'hôtel de ville t'a délivré la licence. Ta mise à niveau sera terminée lorsque tu te réveilleras demain. Utilise-la pour installer un nouveau studio dans la nouvelle pièce. Ok, faut que j'achète un nouvel atelier. D'accord. Stockage. Mettre à jour. Là, je peux stocker 15 jeux. Ouais, ça fait cher hein, encore. Je vais attendre un petit peu. Je vais mettre ça et ça. Voilà, comme ça, c'est trié. Est-ce que j'avais une vidéo? Non, j'avais plus de vidéo. Ben non, je les avais faites. Ouais. Bah du coup je vais dormir. Comme ça je vais pouvoir avoir mon nouvel atelier. Mais pour ça il faut plein de sous après.
Oula, il semble y avoir une énorme menace à YouTube City. Allez à The Fisherman pour en savoir plus. Si vous ne rappelez pas où ça se trouve, regardez sur la carte. Catastrophe imminente. Quête secondaire. Ok. Bip bip, InstaLife est en feu. Vous avez reçu des messages alarmants. Voulez-vous les lire? Bah bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Attention, je suis à côté du Fisherman et la marée a presque englouti la jetée. Eh, hey, mauvaise journée pour le surf, la mer est déchaînée. Je vais avoir besoin d'un gilet de sauvetage pour travailler au Calypso Beach Bar. C'est la fin des coupes de cheveux, l'eau va atteindre Lafayette, nanana. D'accord, okay. Ils sont tous excités en fait, là. Ok, hein. Ils sont tous énervés. Ah ouais, il y a plein de trucs à faire. Faut que je me fasse des sous, mais avant il me demande d'aller là-bas, je vais y aller. C'est le plus populaire. D'accord, il est là. Ben, je sais pas où il est, on verra. Faut que j'aille là-bas déjà. On va aller voir ce qui se passe. Ouais, on va aller là-bas, on va aller voir ce qui se passe. On va aller à The Fisherman, là, son magasin de pêche. Ah, c'est ça. Ça y est. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression d'avoir une sorte de troll dans ma tête. Je me souviens même pas de mon nom. J'avais l'habitude de faire des vidéos, tu vois le truc? C'est tout ce que je sais. Et j'étais un youtubeur. Ah d'accord. Youtubeur, t'étais un youtubeur. Bien, ça me donne une idée. Si vous lancerez une vidéo avec lui, cela pourrait l'aider à retrouver la mémoire. De cette façon, il nous dira ce qui est arrivé à la marée de ce matin. D'accord. Oh, j'ai envie de faire une photo avec lui avant. Ça va me donner plein de vues. Voilà. Plein de gemmes, plein d'abonnés. Mes abonnés ils sont contents. Ah oui, c'est ce qu'on voit derrière. Qui suis-je? Ouais. C'est grave ça. Oh putain. Maintenant je me souviens de tout. Ah bah oui hein, comme par hasard. Quelque chose de brutal est arrivé ce matin. J'ai enregistré une vidéo très épique quand soudain la mer s'est transformée en un portail tourbillonnant. Mon dieu, elle m'a englouti et m'a recraché sur le pied de la ville. Ouais. Ce matin, j'ai entendu dire qu'un certain Capitaine Vane, propriétaire du The Fisherman, répare un vieux bateau. Peux-tu le convaincre de me le prêter? En retournant en mer, je pourrai sauter dans le tourbillon. Cela fermera le portail. Je retournerai dans ma dimension et YouTube City sera hors de danger. D'accord, bah il doit être là-dedans, vu qu'il est propriétaire de la boutique. Ah, bonjour. Il y a d'autres personnes à qui parler dans le quartier, tu sais. Ah, je voulais te dire que tes tatouages sont très beaux. J'en ai un nouveau après chaque nuit blanche. D'accord. Tiens, on va lui donner ça. Tiens, prends un sushi, mon pote. Je vais le donner à mon ami Joy. Ah bah d'accord, mais c'est à toi que je le donne, couillon. Là, tu me parles un peu plus. Je pense qu'il est temps pour moi de te révéler un de mes secrets. Ah, on m'a accusé d'avoir détruit un bateau, mais c'est faux. Zipsy, oui.
m'a écrit pour me dire que le navire a été rétréci par une sorte de sort et mis dans une bouteille puis vendu dans un magasin. J'ignore quel magasin. Il m'a seulement dit qu'il ouvrait la nuit, mais je suis habituellement occupée à ce moment-là. J'en ai besoin pour prouver mon innocence. M'aideras-tu à le trouver ? Oh là là, ils peuvent pas tout faire tout seuls là-dedans. Ah, faut trouver le bateau pirate en bouteille. D'accord. Bon, déjà, on va parler à lui. Oui, j'aurais besoin que tu prêtes ton bateau à monsieur machin. Oui, je nourris tous les gens. Moi, je suis gentil. On va dire que c'est un vrai pro. Mais j'ai besoin de ton aide, c'est important. J'ai besoin que tu trouves de l'encre de sèche pour lubrifier le moteur. C'est tellement collant que ça marchera pour le démarrer. L'encre de sèche. Alors, c'est une boisson populaire, donc ça doit être dans le coin. Vas-y, on va faire ça tout de suite. Donc du coup, si c'est au port... Ça doit être le restaurant qui est dans le coin, là, ici, au Kraken. Là. Ah, elle est là. On va parler aux dames. Est-ce que tu as essayé la soupe de mer ? Évite, c'est dégoûtant. D'accord. Elle est dans sa petite bulle, la coquine. Ouais, bah oui, apparemment, elle est dégueulasse, ta soupe de la mer. Alors, on a l'encre de sèche, donc je vais pouvoir aller voir le pêcheur, là. Et après, ça va être l'heure pour moi, parce que là, je suis crevée aujourd'hui. Alors, l'encre de sèche. Hop. Par le bic du Kraken. Oui, tu as trouvé de l'encre. Beau travail. Ah là là. Bien que j'ai réalisé que j'aurais besoin d'un autre truc, un fil de fer pour nouer un nœud solide. Il en faut un pour amarrer le bateau, ok, tu sais. Sinon, la marée l'emporterait comme un canard en plastique. Un cintre des magasins de vêtements du centre-ville fera l'affaire. Il y a probablement de la corde de l'entrepôt. Va en chercher un cintre pendant que je cherche la corde. Oh là là, faut que j'aille au centre-ville. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille là-haut. Donc ça doit être le magasin Kiwi. On va y parler à la meuf. Bah j'ai dû recommencer une journée, donc ça va. Ça va Seb, j'ai recommencé une petite journée. C'était vite fait. Ça doit être à elle. Comment puis-je t'aider? Dès que je t'ai vu, j'ai imaginé l'accessoire qui correspond le mieux à ta personnalité. J'ai juste besoin d'un cintre. Ah bah tu vois, c'était elle. Tiens, voilà ton cintre. Merci. Merci, coquine. Tiens. Bouffe ça, toi. Oui. Oui, ça va. Ah bah, elle est contente. Une petite photo. On publie tout ça. Ça fait des vues. Ça fait des j'aime. On va lui demander d'où elle vient. Tu me croirais pas si je te le disais. Ok, d'accord. Donc elle a un truc à me cacher. Eh ben, on va essayer de découvrir tout ça. Un de ces quatre.
Bah, je vais aller voir le bonhomme là. J'espère qu'il est toujours là. Ouais, il est toujours là. Le cintre, c'est parti. On lui donne. Bien joué, c'est la pièce manquante pour réparer le bateau. J'ai dit que j'étais sur le coup, Calamar. Je vais finir de préparer le bateau. J'espère juste que nanana navigue aussi bien que tu me l'as dit. Ok. Bon, bah là, il y a la petite cinématique. J'ai entendu dire que tu avais tout apporté à Vane pour qu'il répare le bateau. Magnifique, merci pour tout, je ne te décevrai pas. Je naviguerai comme jamais auparavant. J'avoue que j'ai un peu peur. Dans mes vidéos, je n'avais jamais affronté telle tempête. Je ne sais pas si je vais m'en sortir en un seul morceau. C'est pourquoi j'ai quelque chose de très spécial à te demander. Voudrais-tu t'occuper de mon animal domestique Floppy? Je pense que vous entendriez bien tous les deux. Bien sûr, le poisson de compagnie le plus cool au monde. Oh, c'est un petit poisson. Moi, il va avoir un petit poisson rouge. En fait, une surprise vous attend chez vous. Tu peux la trouver sur ton appli vestiaire. Calamar, le bateau est prêt. J'ai tout vérifié. Ça devrait résister aux vagues agitées. Le reste est entre tes mains. Bien. Waouh, maintenant je revoyage maintenant, mais je franchirai le portail. Et bah vas-y, montre-nous ça. Montre-nous ça. Alors, espérons que machin pourrait vaincre cette mer déchaînée. De toute ma vie de marin, je n'ai jamais rien vu de tel. Ouais, il va être trop mignon. Alors, il va franchir ce portail. Bah, on dirait bien qu'il a réussi. Et l'océan est calme. Bon. Alors lui, voilà, est-ce que je serai un beau gosse? Est-ce que machin? Est-ce qu'il sera populaire? Lui, il voit que ça, tu sais. Grâce à toi, le bateau a été réparé. J'ai pu combattre une mer qui ressemblait à une armée d'orques. C'était un voyage épique et nous avons réussi. Tu as un grand talent et aussi un bon cœur. Merci. Ah, il a coupé mon truc. Ah, merci de prendre soin de Floppy comme si c'était ton animal de compagnie. Pour exprimer ma gratitude, je t'en donne mon sweatshirt préféré. Tu le trouveras dans ton dressing. Veille à ne jamais changer ton ami, machin. Ok. Bon, et ben ça fait un truc en moins. Ça fait un truc en moins. Hop. On va aller voir au vestiaire. Torse. Et bah c'est ça que j'ai eu. Et bah on va le mettre. Parce que c'est le but de le mettre. Et on va mettre un pantalon. De préférence. Il faut que je mette mon poisson. Ah, rose, ça fait trop stylé. Les chaussures. Ah ouais, j'ai des pantoufles à cause des meufs. À cause des meufs. On va les mettre blanches. Confirmé. Est-ce que j'ai de la place pour mettre mon petit poisson?
Ah, j'ai ma nouvelle pièce. Est-ce que je garde mon PC ici ou pas? Alors non, je vais changer. Je vais mettre le PC par ici. Bon, on va le mettre contre le mur pour l'instant. Après, on verra. Je vais acheter. Je vais le foutre là, on s'en bat les couilles. Je vais acheter juste une petite table de chevet. Une table de chevet élite. Une table de chevet. Ouais. Petite table de bord, table de chevet. Table de chevet. Non. Faut que je garde les sous de toute façon. Voilà, je vais acheter le même. Et dans le sac, j'ai mon petit poisson. Voilà, on va mettre Floppy. je crois que j'avais rien d'autre. Voilà. J'ai mis mon petit poisson. Ouais, il y a plein de trucs. Mais ça, je ferai quand j'aurai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Ah, nouvelle installation. On fait une photo de la nouvelle installation. Voilà. Avec mon petit poisson rouge. C'est le but. Est-ce que j'avais des trucs? Non, on va trier là-dedans. Là, on va trier aussi, mais c'est déjà trié, donc c'est bon. Là, j'ai ma nouvelle pièce. Et du coup, je verrai ce que je ferai plus tard de cette pièce. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça se trouve ici, je mettrai peut-être ma chambre. Ouais, bah on verra, on s'en fout. J'ai d'autres trucs? Non. Les écouteurs, c'est ça. Le bas, c'est ça. Chaussures, non. Vêtements et déguisements, j'ai les mêmes. Masque, non. Bah pourtant, ça me disait que j'avais d'autres trucs. Ouais, bah je sais pas, c'est bizarre. Et j'ai une nouvelle carte. La carte, elle est où, la carte? Elle est là. Ça va faire beaucoup de points si tu mets cette carte-là, quand on l'utilise. Bon, bah ça va. Du coup, moi, je vais arrêter là. Mais par rapport à ce qu'on avait programmé pour aujourd'hui, bah, du coup, l'objectif, il est rempli. Parce qu'on a fait la Playcon. Il fallait suivre la conférence et essayer de gagner des jeux et tout. Ben, c'est pas mal parce que j'ai gagné deux consoles, donc deux économies. Voilà, donc vous avez vu les prix. Hein, donc j'ai gagné cette console-là et celle-là et j'ai dû gagner 3-4 jeux. Donc je suis contente. Et puis, bah, on a continué l'histoire. On a vu que le bateau, bah, il fallait absolument le bateau pour franchir ce portail-là. Donc, il fallait le réparer. On a vu, enfin, on sait qu'il y a des coupures d'électricité. Et puis, bah, qu'il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Il faut qu'on aide. Zane aussi, hein, voilà, hein, faut qu'on aille prouver son innocence hein, pour dire que, bah, que c'est pas lui en fait le problème dans l'histoire, mais que c'est peut-être autre chose.
Et il faut qu'on parle à elle parce qu'on a donné le beurrier. Et puis il faut qu'on parle à Lucie hein, pour dire qu'on a bien fait les choses. Hein, pour pas que ses parents la disputent. Hein. Pour qu'elle fasse genre encore qu'elle est fermière alors qu'elle travaille dans le magasin de luxe. Oui, et j'ai gagné mon petit poisson. Il est là, Floppy. Regarde, il est là, mon petit poisson. Et j'ai gagné mon miroir aussi, hein, le miroir qui est là. Hein. Donc c'est important. Donc voilà, donc objectif rempli. Hein, donc voilà, on a même un peu plus rempli l'objectif de ce que je devais faire. Donc c'est pas mal. La semaine prochaine, je ne sais pas si je stream. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop comment ça va se dégoupiller pour moi. Je préviens là, mais d'autres seront prévenus plus tard. Comme je déménage, bah, je ne serai pas trop présente. Voilà. Hein. Comme y en a, ils savent très bien le goût du déménagement. Et ben, bah, c'est pas trop mon truc. Je déteste ça. Ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve. J'ai pas envie. Ça me saoule. Et oui, effectivement, c'est les vacances. Je suis en congé en plus une partie la semaine prochaine. Donc, je connais pas trop les horaires de Nono. Je sais pas trop. Je sais pas trop quand on commence réellement à faire ce qu'on va faire. Donc, je préfère prévenir. Mes disponibilités, elles seront pas trop présentes. Mais en tout cas, si je peux... bah oui, ma Grimpsia. Moi, j'aime pas ça. Ça me saoule. C'est quelque chose que j'aime pas. C'est mon premier facteur de stress, tu vois, c'est bien ça. Mais du coup, dès que j'ai un moment de dispo pour streamer, si je peux planifier la semaine prochaine, je planifierai. Mais après, je planifierai pas courant janvier, hein, vu par rapport au déménagement, l'état de fatigue, tout ça. En plus, en même temps, je bosse. Nono et moi, on a les horaires décalés, donc voilà. Mais bon, je vous oublie pas. On revient en attendant. En attendant, vendredi, c'est le réveillon de Noël. Donc, profitez bien. Profitez de la famille. Ouvrez bien vos beaux jolis cadeaux si vous avez été très sage. Surtout très sage. Hein. Sinon, si vous n'êtes pas sage, bah, vous n'en aurez pas. Non, mais voilà. Profitez de la famille. Passez un très bon réveillon de Noël. Et puis après, d'avance, joyeux Noël aussi. Passez de bonnes fêtes de fin d'année au cas où si je vous revois pas. En espérant que 2022 sera meilleur que 2021 et 2020 avec ce Covid de merde. Donc du coup, on espère tout ça. Donc je vous fais des gros bisous. Bonne soirée à tous. On va t'envoyer en vacances pendant que Nono fera les cartons. Non, je crois pas, non. Moi, j'ai besoin de contrôler et de diriger. C'est mort. Ah, oh, je dors par terre. Mon perso, il dort par terre à force de parler. Seb, il aura pas de cadeau, pas été sage. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah voilà. Bon, allez, bonne soirée à tous. Merci encore pour ce soir d'avoir participé avec moi au follow, tout ça, de suivre un petit peu la petite histoire du jeu et puis bah, de suivre bah, ma bonne humeur avec ce jeu parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, de nouveau, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, bon nouvel an au cas où, bonne année si on se revoit pas d'ici là. Je vous embrasse, des gros bisous et à bientôt. I'm